Bon, Sylvain, bonjour. Vous êtes bonjour. Responsable de l'espace patin à glace. Ouais. Alors, c'est plus une patinoire, vous me disiez, ludique. Hein. Tout à fait. Donc, c'est une patinoire où on fera que du ludique, donc que du patinage pour venir s'amuser. Il n'y aura jamais de club, il n'y aura jamais de patinage artistique ni de hockey. Oui. Ça sera une patinoire uniquement pour venir s'amuser avec ses amis ou sa famille. Par contre, il y a des cours pour s'initier, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y aura des cours, il y a déjà des cours actuellement hein, qui sont encadrés par une employée de chez nous, Sarah, qui est BESAPS, et donc qui encadre des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 14 ans. Et également en cours adulte. D'accord. Donc qu'est-ce que vous allez faire des soirées à thème, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a beaucoup de soirées à thème qui sont prévues ici à la patinoire, notamment donc la soirée Halloween, soirée années 80, soirée de Noël, soirée tempête de neige aussi, qui est très attendue. Et également, on va faire aussi venir des DJ extérieurs à Vermarine pour pouvoir faire aussi des soirées à thème musicales, comme notamment soirée R&B, électro. Alors les prochaines dates importantes des soirées, c'est quoi? C'est Halloween? Alors Halloween, bien sûr, le 31 octobre. Oui. Il y a aussi la grosse soirée de tempête de neige le 12 décembre. D'accord, tempête de neige ce sera quoi alors? Alors ça va être, on va pas ouvrir le toit hein, bien sûr. Ouais. Donc non, on va louer un gros appareil hein, qui sert aussi à faire de la mousse, puisque là on va seulement changer la buse qui est sur l'appareil pour envoyer que des flocons de neige. Et Halloween, ce sera une soirée déguisée, c'est ça? Voilà, donc déguisée, et donc pendant cette soirée, on va faire un concours du meilleur déguisement. Les trois meilleurs déguisements gagneront un lot à la fin de la soirée. Donc effectivement, c'est plus un espace ludique. Hein. Voilà. Tout à fait ludique. Il a été voulu comme ça, hein. Pour la piste aussi, hein. Il a été voulu comme ça. Hein. Ouais. Voilà, ça a été voulu comme ça, tout ludique. Vous êtes ouvert depuis presque 3 semaines maintenant, alors oui. Timide, content On va dire satisfait, on s'attendait à moins, de fréquentation, mais je prends notamment samedi dernier, on a fait une grosse fréquentation à 600 personnes le samedi soir. Donc on est plutôt satisfait des entrées actuellement en patinoire. Quoi. Et vous-même, vous avez expérience déjà dans les patinoires? Vous étiez responsable d'ailleurs? Oui. J'étais chef d'équipe à la patinoire de Reims, donc qui est là, patinoire olympique. Oui. Et, donc là c'était un peu plus, on va dire, club, patinage artistique, un peu plus compétition, mais on faisait également des soirées publiques, mais qui marchaient un petit peu moins qu'ici. Quoi. D'accord. Eh bien on vous remercie. Je vous en prie. Attendez. S'il vous plaît.